Alors, ce type de projet qui se compose de masterclass et de travail en orchestre de cordes avec les étudiants est un type de projet que nous réalisons régulièrement. Je pense que c'est des moments de partage qui sont vraiment importants pour nous aussi, notamment sur ce répertoire que nous connaissons bien, le 8e quatuor de Chostakovitch, que nous avons travaillé avec des musiciens qui ont eux-mêmes travaillé avec le compositeur. Il y a pas mal d'anecdotes, de traditions aussi, de traditions orales par rapport à cette musique que nous sommes vraiment ravis de transmettre à notre tour aux plus jeunes générations. On refait du début ? Et dans ton premier si, pas trop de... Déjà, je te vois faire. C'est vrai qu'ici, c'est très agréable. Mais peut-être plus... Cours d'archer. Bien. Ça, c'est ton doigté, j'ai pas fait attention. Essaye de mettre un pouce. Et peut-être évite le démanché, parce que le démanché c'est trop beau, c'est trop vocal. Alors bien sûr quand t'es... Ça c'est très lyrique, c'est quand même... Mais là maintenant... Espèce de objectivité. À qui est dédié ce trio? En fait, il a dédié ce trio à son très très grand ami, très cher, Ivan Solertinsky, qui était un musicologue, quelqu'un d'extrêmement brillant, paraît-il, qui faisait un conférencier aussi, remarquable, qui a fait des tas d'études diverses et variées, et qui était un intellectuel, on va dire, tout à fait exceptionnel. Et ils étaient, avec Chostakovitch, étaient les plus grands amis de la Terre. Ils s'adoraient. Vraiment. Et Solertinsky a soutenu Chostakovitch tout le temps, même au moment tragique de sa disgrâce musicale par Staline avec son opéra Lady Macbeth. Et Chostakovitch, au cours de la guerre, a appris malheureusement le décès brutal de son si cher ami. Voilà, donc il faut aussi savoir ça. C'est l'histoire comme ça, mais quand même ce trio, effectivement, c'est lourd quand même. Et oui, c'est quand même terrible. Donc, plus vous chercherez un son un peu difficile quelque part, quelque chose qui fait que nous, on, c'est pas juste, avec les sourcils comme ça, quoi. Et là, on vous écoute comme ça, et on rentre dans un monde très spécial et très austère et très intérieur et et si vous pouvez garder ça le plus longtemps possible, jusqu'au chiffre 4, en tout cas, c'est génial. Et n'ayez pas peur d'aller dans un extrême, quelque part. Hein. Bon, voilà, et chante. Et tendez le son.
Tout d'abord, techniquement, j'ai eu des conseils très utiles. Et musicalement, sur la façon de jouer en groupe, de s'écouter, de penser le son différemment, surtout avec un répertoire comme Shostakovich, qui n'est pas forcément un répertoire que j'ai beaucoup joué. Je peux même dire que je l'ai très peu joué. J'ai eu plein de clés, en fin de compte, pour comprendre cette musique. Ouais, c'est très bénéfique. Bravo. Peut-être que vous pouvez être aussi un peu plus fou, je trouve, dans ce fortissimo. Oui. Et n'oubliez très. Toujours un peu les cordes. Et ça, peut-être plus au talent. Et avec. Je vais voir ça une fois. Juste les là. Oui. Pour moi, c'est peut-être. Un peu plus comme accent. Qu'on entend l'articulation tchang, 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 tchang.